So let's start this session with Natasha Tozen. Hippies use side door, numerism comme précurseur song. Please. Thank you. I will talk in French, but if you have a question, you can pose it also in English. Alors, d'abord, j'ai mon introduction intitulée Hippies use side door, numerism comme précurseur song. Et je voudrais d'abord expliquer ce titre un peu bizarre. Hippies use side door est le titre d'une exposition du MUMUC, le musée d'art moderne de Vienne, faite par l'artiste allemande Cosimo Bomboni l'année dernière, en 2014. Hippies use side door était aussi une expression utilisée souvent en Amérique dans les années 60, quand la culture hippie des jeunes était partagée seulement par une minorité. Et à cette époque, la culture hippie était considérée pauvre et les hippies, on peut dire des gens peu recommandables. Donc cette phrase était un moyen pour les marginaliser dans les locales publics. Le titre de Bomboni est chargé d'humeur parce que nous ne sommes plus évidemment dans l'époque des hippies. Mais il nous aide à poser tout de suite les problèmes centraux de ma présentation, c'est-à-dire celui de la possibilité aujourd'hui de critiquer à travers l'art les systèmes capitalistes. En utilisant un concept très important de Deleuze et Guattari, on peut définir le capitalisme comme un appareil de capture qui a en fait capturé tout, les hommes, les objets, les technologies, la monnaie, les machines, les images, etc., etc. Et en même temps, on peut penser le fonctionnement de ces systèmes comme une axiomatique. Deleuze et Guattari écrit dans Nul Plateau que, je cite, le capitalisme est bien un axiomatique parce qu'il n'a d'autres lois qu'immanentes. Il aimerait à faire quoi? Qu'il se heurte aux limites de l'univers, à l'extrême limite des ressources et des énergies, mais ne se heurte qu'à ses propres limites et ne repousse ou ne déplace que ses propres limites. Ce signifie qu'il n'y a plus rien au-dehors du capitalisme. Le capitalisme, à travers sa double opération d'assujettissement social et d'asservissement machinique, a phagocyté tout. Donc, le capitalisme n'a plus de limites extérieures. Il est déjà toujours au-delà de sa limite, ou, pour le dire autrement, la limite est devenue immanente au système. Dans cette situation dans laquelle il manque en dehors, et le capitalisme est capable de contrôler chacun de nous, non sans raison de nous parler en fait de société de contrôle, on peut définir le sujet comme une monade, pas parce qu'il n'a pas de rapport avec l'extérieur, mais parce qu'il manque totalement un vrai dehors. Le sujet en général, mais aussi bien l'artiste, n'a plus un espace d'action qui ne soit toujours déjà à l'intérieur du système capitaliste. Pour cette raison, Deleuze et Guattari affirment, dans la même page de Nul Plateau, il y a toujours une différence fondamentale entre les flux vivants et les actions qui les subordonnent à des centres de contrôle et de décision, qui leur font correspondre tel et tel segment, qui en mesurent les quanta. Mais la pression des flux vivants et des problèmes qu'ils posent et imposent doit s'exercer à l'intérieur de l'axiomatique. Alors la question est, comment peut l'action des flux vivants devenir une critique du système si elle va rester dans le système même? Vous voyez bien que ce qui est en jeu ici est le statut même de la critique. Il ne s'agit pas de se demander avec Foucault qu'est-ce qu'est la critique, mais est la critique elle possible aujourd'hui? Une critique qui est immanente du système est-elle encore une critique? Et il a été pendant que j'articulais cette question que j'ai fait la rencontre de l'œuvre de Cosimo Bomboni, en particulier de cette exposition intitulée Hippies Use Side Door. Et j'ai eu immédiatement l'impression de me trouver devant quelque chose de très proche à Deleuze. Et cette impression ne dérivait pas seulement d'une proximité des sujets exposés par Bomboni avec les thèmes abordés par Deleuze, même s'il y a en fait dans l'exposition une série d'œuvres dédiées à l'issue pays des merveilleux, de Luis Carroll, et aussi par l'œuvre intitulée Raison. Mais la proximité que j'ai trouvée, il me semblait concerner plutôt la question de la critique. En effet, Deleuze et Bomboni, il me semble suggérer la même possible réponse, ou mieux, la même direction à suivre, pour nous permettre de penser au statut d'une critique immanente.
sa direction pour la définir très vite est celui de l'humeur. Alors il s'agit d'abord de se demander qu'est-ce qu'est l'humeur, en partant de la définition que Deleuze donne dans Logique du sens, dans la série intitulée Sur l'humeur, dans laquelle Deleuze écrit, je cite, l'humeur est l'art des surfaces et des doubleurs, des singularités nomades et du point aléatoire, toujours déplacé. L'art de la genèse statique, le savoir-faire de l'événement pur, ou la quatrième personne du singulier. Toute signification, désignation et manifestation suspendue. Toute profondeur et hauteur abolie. Donc, l'humeur est un art qui se déplace sur la surface et qui fait voir les flux vivants qui sont emprisonnés dans l'immanence du capitalisme. Toutefois, pour faire ça, l'humeur doit oublier la profondeur et l'auteur. Qu'est-ce que signifie cette affirmation de Deleuze? Alors elle peut devenir un peu plus claire si on pense à l'opposition entre humeur et ironie que Deleuze décrit dans les textes publiés dans les 1967 avec le titre « Présentation du sachant oiseau ». Deleuze utilise ici Sade comme exemple d'un art qui travaille sur les dimensions de l'auteur. Cet art n'est pas que l'ironie. Au contraire, Mazoch est auteur d'un art qui agit d'une manière totalement différente et que Deleuze appelle justement humeur. En particulier dans le septième chapitre du livre, qui prend le titre de La loi, l'humeur et l'ironie, Deleuze montre comme toutes les deux stratégies, l'ironie et l'humeur, établissent un rapport avec la loi. Mais la stratégie ironique de Sade agit comme un dépassement par une institution parfaite qui n'a pas besoin de la loi. C'est-à-dire que Sade cherche quelque chose d'encore plus de la loi. Il travaille donc sur l'auteur et il terminera, selon Deleuze, dans un anarchisme de fond. Sacher Mazoch, au contraire, met en œuvre une subversion de la loi. Grâce à un approfondissement de ses conséquences, la punition de la loi devient la condition pour se donner un plaisir interdit. Alors Mazoch ne travaille pas sur l'auteur comme ça, parce que la stratégie masochiste n'a pas l'intention de transgresser la loi. Elle veut plutôt lui se soumettre. Elle veut rester dans la légalité, au point que Mazoch, pour la réalisation de sa stratégie, a besoin d'un contrat, qui est l'instrument légal par excellence. Et malgré cela, cette soumission, qu'il peut définir perverse à la loi, a réussi à miner les fondations de la loi même. Si la punition dit bien la condition d'un plaisir qui devait être interdit, alors les masochistes montrent l'absurdité de la punition et aussi de la loi. En fait, la perversion est toujours une tentative de destituer la loi qui ne coïncide pas avec un acte de transgression, mais il s'agit plutôt d'une contestation du fondement de la loi. Alors si l'ironie de Sade est une transgression, c'est implique une tentative de sortir ou dehors de la loi. Mazoch, au contraire, reste à l'intérieur de la loi, mais réussit quand même à produire une critique. Une critique qui agit de l'intérieur, c'est-à-dire une critique immanente. Et la force de cette critique est qu'elle devient immédiatement une clinique. Mazoch, en fait, est celui qui décrit précisément les symptômes du masochisme. Il construit, selon Deleuze, une symptomatologie. Deleuze écrit dans « Représentation de Mazoch » publié dans « Critique et clinique », plus proche d'un médecin que d'un malade, l'écrivain fait un diagnostic, mais c'est le diagnostic du monde. Il ne suit pas à pas la maladie, mais c'est la maladie générique de l'homme. Il évalue les chances d'en santé, mais c'est la naissance éventuelle d'un nouvel homme. Alors ce qui est en jeu ici est un parcours qui traverse une logique de la négation et de la critique, mais afin d'arriver à une clinique qu'on pourra définir de l'attente ou de l'hésitation. Cette critique clinique, on peut la trouver aussi dans l'œuvre de Gongoni, en particulier dans une série de l'exposition dans laquelle se répètent les mêmes sujets, c'est-à-dire des personnages représentés sur des moments d'improductivité. Je vous donne un exemple. C'est en réalité plus qu'une série, parce qu'il y a avant tout les groupes d'œuvres dédiés à des animaux en peluche qui sont pris sur un moment de repos. Par exemple, on peut voir que ces animaux qui se repos après le travail ou qui sont en vacances.
certains qui se sentent mal après une fête et dorment sur une table, d'autres tranquilles sur des missiles. Il y a aussi des personnages prenant forme humaine, comme l'homme appelé Veritaliener, ou les petits hommes blancs représentés dans l'ouvre intitulée Heidler Laser Justice, qui est assis dans une autre chaise dans une position d'attente. Alors la force de Bumbuni est qu'elle ne veut pas construire un anti-art, mais plutôt en utilisant l'humeur, montrer ce qui, comme les visibilités foucauldiennes, est sur la surface mais difficile à percevoir. En effet, ce personnage rend visible ce qui en réalité est toujours devant nos yeux, mais que nous ne sommes pas habitués à regarder, c'est-à-dire les paradoxes du capitalisme. Le système qui a comme loi la production produit des moments d'improductivité et nous dormons tranquilles, mais au-dessus des armées puissantes. Mais s'il n'y a aucun jugement sur l'improductivité des personnages et aucune condamnation de la fatigue du travail imposée par le capitalisme, il y a seulement une mise en série du rappeur. Ce ne signifie pas que l'humeur de Bumbuni n'a pas un rapport avec la loi capitaliste. Mais ce rapport se rapporte non pas seulement un rapport de transgression ou de contestation, mais il est plutôt un rapport de pervention, similaire à celui de Masorge. En effet, les systèmes capitalistes nous imposent des impératifs. Par exemple, tu dois travailler, tu dois produire, tu dois être un bon consommateur, etc., etc. Et cette loi nous dit de nous soumettre à des valeurs comme la monnaie, la sécurité, la frénésie, la vitesse. Donc, les situations de repos ou d'attente sont en réalité hors de la logique du capitalisme, parce que le système nous prescrit toujours de suivre les mécanismes de la production. Alors, dormir, reposer, être inactif ne sont pas en position du système, mais d'un autre côté, ils ne sont pas non plus une transgression du capitalisme. Les personnages de Bumbuni se soumettent en réalité à la loi capitaliste. Ils sont fatigués par le travail, ils se sentent en sécurité seulement armée, ils se distraient en allant à une fête et en buvant de l'alcool. Donc ces personnages font tout ce que la production, la politique et l'économie volent. Les problèmes qu'ils connuissent cette logique jusqu'à ses dernières conséquences. Et comme il s'est passé avec les masochistes, leur représentation acquiert un fond comique, humoristique, parce qu'il ne s'agit pas d'une attitude anarchique comme celle de Sadik, mais plutôt d'une soumission extrême à la loi, qui fait voir les paradoxes de cette loi même. Une personne qui suit la logique capitaliste et une personne qui éprouve du plaisir en dormant, en s'enivrant et en achetant des armées. Il faut se demander alors quel genre de plaisir peut éprouver ces personnages. On peut donner un exemple de ces plaisirs à travers une comparaison entre les masochistes de Lesian et l'œuvre que Bumbuni a appelée Heidler Laser Justice. La perversion masochiste, qui selon Deleuze est caractérisée par l'humeur, est une expérience d'attente et de suspension. Les masochistes attendent un plaisir qui est toujours en retard et s'attendent même la douleur comme la condition des possibilités de plaisir. Par ailleurs, les petits hommes blancs, qui est représenté par Bumbuni, assiste dans une autre chaise, dans une position d'attente, qui est confirmée par l'élément d'humeur présent dans la scène. Une araignée a fait sa toile sur le nez de l'homme. Et on peut rappeler ici que l'araignée est un des animaux utilisés souvent aussi par Deleuze, par exemple dans Proust et les Cils. De toute façon, dans les deux cas du masochisme et du petit homme blanc, il s'agit d'une méconnaissance de la réalité. En effet, les masochistes construisent un désir fantasme. L'homme blanc ignore les couleurs qui gravitent autour de lui. Il est en fait une des rares œuvres de l'exposition qui est totalement monochrome. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une négation du réel, mais plutôt d'une perversion de la loi. Cette loi est celle-là du monde capitaliste, qui nous impose les principes de la frénésie et de la vitesse dans le travail autant que dans le temps libre. Mais dans Deleuze autant que dans Bumbuni, il ne s'agit pas de s'arrêter en logique de la négation, c'est-à-dire s'arrêter en stratégie critique, mais plutôt il faut découvrir une esthétique de l'attente. Deleuze et Bumbuni, en fait, montrent à travers l'humeur une clinique fondée sur la suspension dans l'action, c'est-à-dire sur l'hésitation.
le plaisir se donne seulement dans l'attente. C'est une ligne de fuite produite par le capitalisme qui est habitué seulement à la précipitation et à la vitesse. Alors, vous voyez bien que l'humeur semble être un exemple concret de cette critique immanente du système qui aujourd'hui il semble être la seule critique possible. Mais qu'est-ce qu'il y a alors dans l'humeur qui lui rend capable d'exercer ses rôles? Dans l'Égypte du sens, il y a une série dédiée à l'humeur dans laquelle Deleuze montre que pour chaque type de discours, nous devons distinguer trois langages. D'abord, un langage réel qui est assigné à celui qui parle, l'individu ou bien la personne, et qui coïncide avec l'ironie. Et puis, un langage idéal, tragique, qui représente les modèles du discours en fonction de la forme de celui qui les tient. Par exemple, les modèles rationnels leibniziens par rapport à l'individualité classique ou les modèles évolutionnistes par rapport à la personne romantique. Enfin, un langage ésotérique qui représente dans chaque cas un acte de subversion du langage idéal et de dissolution de celui qui tient le langage réel. Et ces langages ésotériques récusent les formes primitives indifférenciées du langage idéal et aussi les formes de l'individu et de la personne qui sont créées par le langage réel. Ce langage ésotérique est en fait l'humeur, dans ce cas de l'humeur du stoïcien. Et il a deux caractéristiques fondamentaux. Il libère les singularités de la prison de l'individu et de la personne, et en ce connu, il fait coexister les sens et les non-sens. À l'égard de la question de la singularité, on peut rappeler que Deleuze, déjà dans Différence et répétition, et souligner que l'image de la pensée a toujours donné espace seulement à les sujets entendus comme un individu ou une personne déjà constituée. Mais tous les deux, l'individu et la personne, cachent ce qui est en dessous, c'est-à-dire les singularités libres et nomades, constituées par l'âme personnelle et les pro-individuels. Toutefois, si nous regardons de nouveau les séries de Bonboni, on peut remarquer que tous les personnages sont représentés seuls et surtout qu'ils n'ont pas une identité. En effet, Borboni utilise les animaux comme personnages et la raison peut être simple, c'est-à-dire que les animaux ne peuvent pas être pensés comme des individus et des personnes. Ils n'ont pas un nom, ils se rassemblent entre eux, ils ne sont pas donc utilisés comme des copies des singularités humaines, mais ils sont plutôt entendus comme des simulacres des vivants. Ils sont c'est-à-dire des individuations vitales. Alors voilà que l'humeur est utilisée parce qu'il exprime dans le même temps la force critique de la singularité et aussi l'hésitation du vivant. Et un autre, à l'égard de l'autre caractéristique de l'humeur, considérée comme langage ésotérique, c'est-à-dire la coexistence du sens et du non-sens, il faut souligner qu'il s'agit de refuser complètement de poser les sens et les non-sens dans un rapport d'opposition ou de contradiction. Puisque le sens a comme lieu, dit Deleuze, la surface et comme statut les problématiques. Donc il y a un camp de sens qui est proprement problématique, dans lequel se distribuent les singularités. Ces singularités sont des événements qui correspondent à des séries hétérogènes, qui s'organisent dans un système métastable et qui mettent en œuvre un processus d'auto-unification, toujours mobile et déplacé, seulement dans la mesure où un élément paradoxal parcourt et fait résonner les séries. Alors cet élément paradoxal qui fait résonner les séries, l'avons trouvé dans les masochistes et aussi dans les personnages de Bonboni, et n'est pas que l'humeur. Et alors si nous prenons enfin certaines pages de différentes répétitions, dans laquelle Deleuze parle du précurseur sombre, nous pouvons lire que, je cite, « La foudre éclate entre intensités différentes, mais elle est précédée par un précurseur sombre, invisible, insensible, qui en détermine à l'avance les chemins renversés comme un creux. De même, tout système contient son précurseur sombre, qui est sur la communication des séries de bordures. Et encore, nous appelons dispare les sombres précurseurs, cette différence en soi ou second degré qui met en rapport les séries hétérogènes ou disparates elles-mêmes. Alors les précurseurs sont, dit Deleuze, mettent en relation les potentiels et les font réagir. Ainsi résulte
l'événement visible, l'éclair qui illumine la surface, l'explosion de laquelle il ne faut pas chercher les causes, mais regarder les effets imprévus qu'elle produit. Et en effet, il semble sentir parler de l'humeur, parce qu'il conduit elle-même à un éclair, en illuminant la surface et en nous montrant les paradoxes du capitalisme d'un côté et une clinique de l'attente d'un autre côté. En plus, Deleuze dit que les précurseurs sont peut-être aussi un mode ésotérique, exactement comme il appelait l'humeur un langage ésotérique. Le précurseur n'a pas par lui-même une identité, et en effet, nous l'avons vu, l'humeur refuse l'identité individuelle. Et enfin, le précurseur dit son propre sens, mais ne le dit pas, sans se représenter et le représenter comme non-sens. Alors, encore une fois, il retourne la question des paradoxes et de la coexistence du sens et du non-sens. Alors, je voudrais vraiment terminer mon intervention en essayant de donner une définition très prostienne, mais de l'humeur qui reconnaît sa possible fonction de précurseur sombre. Donc, on peut dire que l'humeur est un art de surface, une opération destinée à montrer les effets du devenir plutôt que chercher les causes profondes du présent. Il est une mise en série de simulacres au lieu d'une représentation des modèles et des copies. Il est une sérialisation métastable où les singularités se révèlent libres et nomades, où il y a des potentiels continuellement en circulation. L'humeur peut être vue alors comme la force ou la différence en soi qui conduit à cette explosion ou chute qui, Deleuze le rappelle dans le livre sur Francis Bacon, a toujours un rôle actif. Et nous avons vu que dans Bonboni, autant que dans Deleuze, il compose en fait une critique clinique, un art diagnostique, plutôt qu'une simple critique destructrice. L'humeur est un cœur, une perversion de la loi, un éclair qui fait entrevoir les non-sens, une libération de l'illusion de l'identité et de la ressemblance, une différence qui reconnaît la différence. On peut alors le définir comme une apologie de l'attente et de l'hésitation qui défend la vie et la singularité. C'est peut-être une stratégie qui attend elle-même d'être redécouverte et que Bonboni est un des rares artistes contemporains qui les fait remonter à la surface. Merci. Thank you very much. Other questions? Or comments? Oui, je voudrais juste. Si tu pourrais parler de l'articulation de l'humour peut-être à la violence. Tu vois, s'il y a une violence dans cette humeur, parce que ça peut être aussi. Cette attente, ça peut être. Oui. Alors, je ne crois pas que c'est en fait vraiment une violence, mais c'est un acte, on peut dire, radical, où aussi la dimension d'attente assume une perspective relative dans le sens politique, si tu vois, on peut dire ça. Je vois. Je pense un peu dans ces facteurs de où est situé ces dimensions du monde. C'est situé dans une dimension de pure carte, dans une dimension ok, on va faire une carte avec la productivité, où il implique aussi dans l'œuvre de Cosimo Formuli, que je parle tout dans la tête, une modalité de reconstruction de quelque chose d'autre, d'une ligne de fond. Alors, je pense que la question, c'est que si on doit penser à une critique qui est immanente du système, parce que le système n'a pas en dehors, alors la stratégie peut être celle de plier cette immanence, cette dedans, on peut dire, pour créer un dehors, mais un dehors du dedans. Okay. Alors, c'est clair que ce dehors peut être réterritorialisé après, mais ce qui m'intéresse, c'est cette question du pli qui crée un dehors du dedans qui peut être seulement une ligne de fuite qui verra réterritorialiser, mais c'est une création de quelque chose.
Other questions? I have just a comment since there's space. A link with this, also with the short essay by Deleuze that I find so moving, the one about Carmelo Bene, when he speaks about the, since you were speaking about the laziness of these characters, when he speaks about the condition of the peasants of Puglia, that don't want to work and use this force of laziness as a really the only way of being against the productivity of the system. And of course this all finishes when this particular situation is reinserted in a conflict again, these poor people against the system, and this at this point it's over, because it's already again in the mechanism of the inside or outside, whereas this laziness, the situation of laziness is actually at the surface, that is outside every possibility of definition. Just a comment. There is space for some more? If not, we can move on, and thank you very much again. Thank you.